Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Zoé Plastique Modèle. Aujourd'hui, on se voit pour une petite vidéo live. Elle va concerner la Viper, la Dodge Viper SRT10 ACR. Alors, je crois que ça va être la 12e vidéo de ce montage, il me semble bien. Oui, je pense que c'est ça, la 12e vidéo. Donc, totale improvisation encore une fois, hein. J'ai la possibilité de faire cette petite vidéo live, donc j'ai rien préparé du tout. Ça va me permettre premièrement de vous montrer où en est le montage, et puis je vais voir faire deux ou trois trucs avec vous, et puis voilà. Donc au niveau de la carrosserie, elle est terminée, enfin, j'ai plus rencontré de problème, donc j'ai passé le vernis il y a 2-3 jours, la dernière couche de vernis, et je vais attendre encore, je pense, 3 jours encore avant de pouvoir venir poncer, de venir un petit peu faire beaucoup plus propre parce qu'il y a un petit peu de peau d'orange. Donc je vais venir un petit peu passer du P600, du P6000, du PC8000 et puis les 3 Kumpu de Tamiya pour améliorer un petit peu le rendu. Bien que vous voyez, il y a quand même un beau brillant. Je suis content, la carrosserie est bien réussie. Et je me rends compte là, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé, enfin, la dernière fois que j'ai regardé la carrosserie, je venais de passer le vernis, et je me rends compte que la peau d'orange, c'est bien, le vernis a bien tiré, et a bien atténué tout ça. Je croyais qu'il y avait beaucoup plus à faire. Ça n'empêchera pas de passer un petit peu le coup de poudre, hein, c'est pas un problème. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non. Je n'arrive pas à faire l'autofocus. Voilà. Vous voyez, il y a très peu de peau d'orange quand même. Hein. C'est assez propre. Voilà, donc tout a été verni. Hein. Bien sûr, le haillon arrière, il va venir là. Le capot avant. Après, donc, il y avait... Donc, bien sûr, les décalques ont été posés. Hein, je vous en ai rendu compte, je vous en ai pas parlé. Donc, il y a ici les bas de caisse. Et le spoiler arrière, où il va rester... bon, c'est vrai qu'il va rester deux ou trois petites choses à faire sur la carrosserie. Notamment sur le spoiler, ici, cette partie-là est en noir. Donc, j'attends vraiment que ce soit bien sec à cœur avant de faire un masquage quelconque pour peindre cette partie-là en noir. Et puis, j'aurai aussi cette partie-là à peindre en noir satiné, X18, le dessous du capot, le dessous du haillon aussi. Et puis, je vais avoir aussi l'intérieur là, ici, à peindre en noir satiné également. Donc, je veux vraiment que tout soit cœur à sec. Pour pouvoir toucher et poser un quelconque masquage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le masquage. C'est quoi ces petits messages? Alors, on va retirer juste ça. Alors je l'avais mis ce petit truc, ce petit masquage là, c'était juste pour éviter d'avoir trop de vernis sur cette partie puisqu'elle va être peinte en X18 aussi. Donc je ne voulais pas qu'il y ait trop de vernis pour que ce soit que ça le X18 ne ressorte pas trop brillant quoi. Et c'est pareil, il y a aussi une partie dans le coffre ici qui va être peinte en gris foncé, la couleur grise de l'habitacle. Que vous avez vu l'autre jour. Voilà, donc la carrosserie est terminée. Je vais tout remettre à sécher bien comme il faut. Voilà. Allez, encore 2-3 jours et après on va pouvoir
finir la mise en peinture de cette carrosserie au niveau du noir satiné. Je range aussi tout ça. Voilà. Alors, hors caméra, j'ai peint le X18 du pare-brise et de la vitre de haillon arrière. Donc après, je vais avoir un gros nettoyage à faire pour que ce soit bien propre et bien transparent. Voilà, donc ça a été fait. Après, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au jour d'aujourd'hui? Alors, donc on va faire, tiens, le petit rétroviseur et puis ces petits feux là. Je vais voir un petit peu, je vais prendre sortir les grappes, enfin le peu de grappes qui reste, et puis on va essayer de mettre en peinture ça, puis le coller éventuellement. Et puis faire les petits phares ensemble. Voilà, ouais, il reste pas grand chose à faire, hein, mais bon, il y a un petit peu de travail encore. Allez, je prépare tout et puis je vous reprends tout de suite. Allez, donc, voilà le peu de grappes qui reste. Bon, il y a pas mal de pièces qui n'ont pas été utilisées dans toutes les autres grappes. Mais là, ce sont les grappes donc, qui vont rester et qui vont être utilisées pour la fin de ce montage. Donc, nous avons le petit rétro ici. Donc, c'est la pièce 69. C'est ça. Alors, on va la dégrapper. Alors, comment ça se présente? Un petit travail de bavurage à faire, de nettoyage. Alors, il me reste un petit bout de P600. N'importe comment, ça ne va pas rester chromé puisque ça va être peint. Reste là, toi. Tchoc, tchoc, tchoc. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, ou alors, à moins est-ce que je le laisse comme ça? Non. C'est la notice, on me demande de le peindre en GGG. Ben, c'est ma fameuse mixture, là, le gris foncé. Donc, est-ce que je le peins une fois sur le pare-brise, au pinceau? Alors, comment il va se monter celui-là? Ça va comme ça ou comme ça? Est-ce que ça va comme ça? Le seul truc que j'ai peur, c'est que après ça fasse une surépaisseur. Eh ben, que ça fasse une surépaisseur là-haut. Sur le dessus, là. Ouais, ça doit bien aller comme ça. Et si je retirais ça, j'ai bien envie de l'adapter à mon idée, ce petit rétro. J'ai peur qu'après ça fasse une surépaisseur. Je vous explique en deux mots.
Vous voyez, il dépasse sur le dessus. Là, ici, ça dépasse. J'ai peur qu'après, en mettant le pare-brise, en ajustant le pare-brise sur la carrosserie, j'ai peur que ça fasse une surépaisseur supplémentaire et que ça vienne buter et que ça me gêne. Je voudrais vraiment qu'il rentre dans le moule. Alors, j'ai peut-être la solution en faisant ça. Comme ça. Et zut. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire à mon idée. Par contre, j'ai rien qui va à l'intérieur pour dire qu'il y a une vitre. Non, j'ai les deux vitres des rétros extérieurs. Ah non. Ben, il n'y a pas de vitre là-dedans. Et ce sera à moi de pas peindre l'intérieur. Il va falloir y aller doucement, doucement. Alors, puisque ça, je vais le retirer. On va peindre. Alors. Voilà. Ça. Allez, moi, je fais ma tambouille, hein. C'est vraiment du live là, les gars. Donc, j'ai totale improvisation. Ma petite mixture, un touilleur. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, aujourd'hui, il fait gris, il fait pas beau. Un temps à faire de la maquette. À se mettre bien au chaud et à maqueter. Ah, c'est bientôt le week-end aussi, hein. Petit pinceau, je vais prendre lui. Ça devrait suffire. Pinceau fin. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le chrome. Ouais, c'est pas gagné, cette affaire. Non, si, ça va le faire. On va peut-être mettre deux couches. Alors, on va mettre à l'intérieur. Alors après, pour là, je vais prendre le plus petit pinceau parce que là, il faut vraiment être précis. Ça c'est trop gros. Allez, on va prendre le 5-0. Voilà. Vraiment peindre que l'extérieur. S'ils n'ont pas prévu de miroir pour mettre dedans.
Vous me direz, une fois l'habitacle tout posé, on va pas voir grand-chose à l'intérieur, hein. Mais bon, c'est quand même sympa de faire comme si ça allait se voir. Qu'est-ce que ça dit? Donc, quoi qu'il arrive, il faudra passer deux couches. C'est une certitude. Après, je viendrai fignoler une fois qu'il sera collé sur le pare-brise, bien sûr. Je viendrai un petit peu fignoler ça. Mais c'est surtout cette partie-là qui va être contre le pare-brise, qui sera plus accessible au pinceau. Donc, ce serait bien que cette partie-là soit finie complètement. Allez, je vais laisser sécher pour mettre une petite couche derrière tout à l'heure. On va laisser le pot de peinture là. Je vais nettoyer les pinceaux. Voilà pour un. Et je vais le laisser dehors pour faire la deuxième couche. Petit coup de savon. Allez, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir pour ces petites pièces-là, donc qui sont... Voilà, c'est les pièces 64, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien. Il faut les couper et les monter tout de suite sur la carrosserie, donc il n'y a rien à préparer en fin de compte. Où il y a un petit peu de préparation, c'est sur les phares. Allez, on va attaquer ça. Voilà. Il n'y a plus rien de ce côté. Ça fait de la place. Je jette les morceaux de grappe au fur et à mesure pour garder que les petites grappes où il y a les pièces qui sont intéressantes pour moi. Ça évite d'avoir des grappes complètes vides dans la boîte. Alors, donc la notice, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors. Donc, il y a du G et du P. Alors, G, c'est ça. Et P, orange clair. Donc, de l'orange translucide. Allez, ben, on va continuer donc avec cette. Toc. Alors, on va sortir la mie-pain. Voilà. Alors, on va plutôt faire comme ça. Allez, ouais. Ouais, c'est pareil. Voilà, on va faire comme ça. Allez, ben on va sortir ça. Et là, je vais prendre celui-là de pinceau. Les lunettes loupe.
Alors, on met les lunettes loupe. Et on y va. Donc, il n'y a que la partie ici qui est à peine comme ça. Pas évident sur le chrome, hein. Directement. Alors il aurait fallu faire ça à l'aéro, mais bon, bonjour le masquage quoi. Le masquage énorme à faire. Quoique non, ça suffit pour assombrir un petit peu, hein. Ah, c'est sûr qu'à l'aéro ça aurait été mieux. Mais bon, on va pas sortir l'aéro pour si peu non plus, hein. Ben, comme le rétro intérieur, je mettrai deux couches. Je crois que c'est le mieux. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, la deuxième couche sur le rétro. Ça doit être sec maintenant. Ouais. Ce qui est bien avec les peintures acryliques, c'est que ça sèche rapidement, quoi. On n'a vraiment aucun souci. J'ai trop mis de peinture là. Ça sèche très vite. C'est le côté pratique. Je vois pas grand-chose. Et ça va le faire, c'est bon. Voilà, pour le rétro. Pourquoi ça ne fait pas la mise au point? Ah zut! Ça ne veut pas trop faire la mise au point. Ah, quand même. Ouais, ça fera la blague, hein. Allez, ça c'est bon. On va nettoyer le petit pinceau. Parce que je n'en sers plus après. Quoique, si, je vais m'en servir après pour l'orange translucide. Voilà. Allez, on va finir les phares. Est-ce que c'est bien sec? Ça a l'air. Est-ce que vous y voyez bien, vous, par contre? Voilà, c'est mieux.
Ben, s'il faut, on mettra une troisième petite couche. Hein. Alors, est-ce qu'on va faire la mise au point pour que vous y voyez mieux? Voilà, ouais. Ouais, je crois qu'une fois qu'il y aura la vitre, ça fera la blague. Hein. Ça sera bien bon comme ça. Hein. Oui, on voit bien la différence, quoi qu'il arrive. Allez, on va passer à l'orange translucide. Je laisse dehors le pot au cas où. J'en ai besoin. Alors, je sors l'orange translucide. Donc, de chez Tamiya, le X26. Nettoyer un petit peu le pot. Ouais, ça vous permet de voir un petit peu comment je travaille. Hein. Quand on prépare rien comme ça, quand je me mets à la maquette, que je j'allume pas la caméra, voilà, hein. Je prends ma notice et je regarde ce que j'ai à faire. Par contre, c'est vrai que quand je prépare, bon, je prépare une étape ou plusieurs étapes comme je vous fais à chaque fois. Donc là, bien sûr, je prépare tout, je regarde comment c'est fait avant. Là, non, pour aujourd'hui, non. Alors, l'orange translucide, c'est juste dans le petit coin là. Pouf, ça va pas beaucoup se voir ça. Alors, voyons voir. On suit quand même. Si, c'est bon, ça va se voir. On va faire le deuxième. Alors, c'est que des petites choses à faire, mais ça prend toujours du temps de faire ces petites choses. C'est des petites finitions, hein. Ouais, ben ça devrait être bon, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un côté plus foncé que l'autre? Non. On est bon, on est bon. Alors, je vais quand même aller chercher la photo des phares parce que je voudrais vraiment voir comment c'est fait au niveau de ce gris-là. Donc, je vais chercher la tablette. Je vous demande 2 petites minutes, je vous reprends après. Allez, voilà. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, en fin de compte, je me rends compte que sur certaines photos, tout est noir aussi. Qu'est-ce qu'il nous montrait? Ouais. Ouais, on pourrait se. Alors, il y a un peu de chrome à l'intérieur. Ah, ben, elle est bientôt vide aussi, la tablette. Ouais, vous voyez?
C'est noir. Ouais, vraiment que j'imprime ces photos pour qu'on puisse voir tout ça. Ouais, j'ai bien envie de peindre ça en noir quand même. Hein. Ou tout en gris. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah si, peine le pourtour alors. Ouais, ok, je vois. Ouais, je vais laisser sécher. Alors en fin de compte, il y a toute cette partie-là. Alors attendez. Voilà. Là, ici, là, le dessus, ici, et tout le pourtour à faire en gris. Et après, les choses à l'intérieur, là, les phares à l'intérieur, ça reste chromé. Voilà, en fin de compte, c'est ça qu'il y a sur la photo. Donc, ce gris-là, il va falloir le mettre ici, sur l'extérieur. Voilà ce qu'il faudra faire. Je vais laisser sécher l'orange translucide et après je passerai donc ce gris. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà pratiquement 32 minutes qu'on tourne. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah oui, il y avait ça là. Alors ça c'est bien, ils nous l'ont fait en rouge translucide, mais le problème c'est qu'on n'y voit pas beaucoup à travers. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis c'est pas trop propre. Hein. Alors. Vous voyez, il y a des endroits brillants, des endroits mats. Voilà. Là, si vous voyez, ici, là, on a du mat sur le pourtour. Après, c'est brillant. C'est pas très, très, très propre, ces pièces-là. Hein. Bon, après, en dessous, il y a que du. Il n'y a rien en dessous. Hein, donc. Il n'y a pas de phare à voir, tout ça, donc je sais pas. Je vais voir si je l'ai. Mais encore le poncer un peu. Non, c'est. Ah, c'est translucide en dessous. En attendant, c'est un peu rayé de partout. Je vais voir. Voir si je peux pas l'arranger un petit peu. Le faire un petit peu plus propre. On va regarder ça. Après, donc, j'ai. Une petite loupiote, on aura après le bouchon de réservoir à coller et à mettre un petit décalque par-dessus. Et puis il va rester les rétroviseurs à peindre. Alors ça, c'est un truc, j'oublie tout le temps de les faire en même temps que la carrosserie. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi je fais comme ça, mais j'oublie tout le temps de les faire avec la carrosserie. Bon, ça va, c'est du blanc. Hein. Je vais mettre une belle couche de blanc et puis du vernis à la main dessus, ça sera bien suffisant. Hein. Voilà, il reste pas grand-chose à faire. Hein. Donc ça fait, oui, ça va faire 35 minutes. Je vais arrêter la vidéo là. Bon, c'était totalement improvisé, hein, comme je vous ai dit. Hein. C'était du live. J'avais 3 quarts d'heure devant moi pour vous faire quelque chose. Donc je préfère vous faire partager que de faire ça hors caméra, quoi. Et après d'ouvrir la caméra et de vous dire, voilà, j'ai fait ça de mon côté. Bon, ça vous aura permis de voir un petit peu comment ça se passait. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être passé par là. Je vous remercie mille fois encore de votre fidélité. J'ai plein de nouveaux abonnés à la chaîne, ça fait super plaisir. On est 239, je crois, 300. Non, 539. Oh, je ne me rappelle plus. Allez, on va regarder ça. Je ne me rappelle même plus le nombre d'abonnés que j'ai. Vous vous rendez compte un peu, vous? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, nous sommes aujourd'hui 539 abonnés. Voilà, une belle petite communauté. C'est pas beaucoup aux yeux de certaines chaînes YouTube. Alors je parle pas que de modélisme, hein, je parle de chaînes diverses. Mais pour moi, c'est déjà super de compter 539 personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Voilà, donc la prochaine, eh ben, je sais pas, peut-être la Viper, le final de la Viper, la Mercedes, le Hummer. J'ai rien fait de plus que depuis l'autre fois.
Il faut que je l'attaque. Mais je voudrais vraiment finir la Viper avant de continuer vraiment sur le Hummer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à plus. Ciao, ciao.